les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 avril et on commence ce point bourse comme toujours par le CAC 40, puis un mot de l'action Nicox, du Dow Jones Stocks 600 avant d'aborder la parité dollar américain, dollar australien. Hier, les bonnes publications de résultats aux États-Unis ont entraîné un net regain d'intérêt des investisseurs pour les marchés actions. Le CAC 40 s'est ainsi apprécié de plus 2,46%, ce qui lui a permis de renouer avec les 4000 points. Graphiquement, l'indice français a préservé son support à 3870 points et bénéficie désormais du soutien de sa moyenne mobile à 150 jours. Un retour au contact du plus haut annuel à 4160 points reste donc notre scénario privilégié. L'action Nicox n'a quant à elle pas bénéficié de ce contexte favorable. Elle s'effondre de plus de 20% suite au refus des autorités compétentes de lui délivrer une autorisation de commercialisation en Europe s'agissant de son produit Naprox Synode. Graphiquement, le titre vient donc de sortir par le bas, ici d'un vaste triangle de plusieurs mois, ce qui constitue un nouveau signal baissier. Lors des prochaines semaines, un retour au contact du plus bas historique à 1,32€ est donc probable. Voilà pour les valeurs françaises. Tout de suite un mot du Dow Jones Stock 600 et enfin de la parité dollar australien, dollar américain. Parmi les autres indices européens, le Dow Jones Stock 600 a lui aussi significativement progressé. Cette nouvelle impulsion suite au test du support à 273 points devrait permettre de franchir d'ici peu l'obstacle des 281 points et ainsi ouvrir la voie vers le plus haut annuel inscrit en février dernier à 291 points. Et enfin, sur le Forex, le dollar australien s'est fortement apprécié face au dollar américain. Il enregistre ainsi un nouveau plus haut historique. La parité est récemment sortie par le haut d'une figure de continuation en triangle ascendant. L'appréciation de la devise australienne devrait donc se poursuivre lors des prochaines semaines en direction des résistances théoriques situées à 1,10$ puis 1,15$. Voilà pour les valeurs du jour. Je vous souhaite une très belle séance et une très belle journée.